Yo, salut à tous, c'est Equinox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir les amis pour une découverte sur la chaîne d'un jeu qui est Niflheim. En fait, Niflheim, c'est une sorte de RPG, de jeu indé qui est toujours en early access, donc en version alpha, la 0.9022 actuellement. Voilà, c'est un jeu qui va voir évoluer en fait un ancien héros nordique. Et voilà, on va le faire essayer de survivre. Alors c'est un jeu que j'ai joué il y a très longtemps, alors qu'il n'était pas encore sur Steam. Et ça fait pas mal de mois finalement que j'ai pas mis la main dessus. Et du coup, voilà, j'y reviens. Et puis on va essayer de voir ensemble tout ce qui a changé. Et je vais essayer de vous le présenter au mieux. Alors il y a certainement pas mal de mécaniques qui ont changé sur le jeu, donc j'aurai peut-être pas toutes les dernières infos à vous donner. Mais voilà, on va démarrer sur le jeu. Salut à toi Jean. Jean Lembago. Comment vas-tu? Alors les amis, on va démarrer direct sur la game. Hop là. Donc j'espère que vous allez bien, sinon moi ça va plutôt pas mal. Et on est parti. Donc je vais vous laisser la petite cinématique d'introduction. Donc, qui va vous présenter un petit peu notre héros. Et on est parti. The last crusade awaits. The most lonely and bitter. Brave warrior sets off in a funeral ship. Sacred ritual ended with a farewell song. Only flame. Destroyed all earthly ties. The gods wait in their chambers, but short paths are not meant for the brave. Dark demons, ancient lords of deceit, abducted the soul floating quietly towards Asgard. With faithful sword and his fate in his hands, he enters Niflheim, the harsh land of ancient spirits. Voilà, donc on a passé la petite cinématique, les amis. Donc, comme je vous l'avais dit finalement, c'est l'histoire d'un héros nordique qui partait vers le Valhalla, qui partait vers ses ancêtres et vers le repos éternel, et dont le bateau a été intercepté par quelques âmes sombres, et il a été conduit en Niflheim. Salut Popeye, comment vas-tu l'ami? Et donc on va démarrer un jeu en solo, pardon, puisque c'est un jeu qui peut se jouer en solo ou en multi, les amis. On va revérifier vite fait au niveau des touches. Donc là on est sur du. Donc l'inventaire sur I. Ok. Right control. Space pour action. Q pour ramasser. F pour attaquer. Ok. Reconstruction. Et C pour défendre. Donc C pour défendre, F pour attaquer. On reviendra voir si on a besoin des touches en allant. Garde des oubliettes avec M. Ok. Donc on va démarrer un joueur. Donc comme j'ai dit, c'est un jeu qui peut se jouer en même temps solo ou multi. Le jeu, c'est Niflheim, c'est ça, Jean. Tout à fait. Le son du jeu est un petit peu fort. Ok, Popeye. Voilà, j'ai réduit un peu le son du jeu. Tu me diras ce que ça donne, mon ami. Voilà. Tu me diras ce que ça donne, hein, du coup, Popeye. J'ai réduit un petit peu le son du jeu. Donc, on va démarrer sur une partie. Hop. On va éliminer le profil. Et on va démarrer sur une partie solo pour la petite présentation de ce soir. Alors, donc, dans ce jeu, on a plusieurs univers. C'est mieux comme ça, Popeye, c'est cool. Donc on a plusieurs univers. Donc on a ici l'ours, le loup, on a l'aigle et on a le dragon. Donc à chaque fois on a une petite description, pardon, j'allais dire destruction, de la zone. Donc moi je vais partir sur le loup.
Alors le loup n'existait pas à l'époque où je jouais, il me semble. On avait l'ours essentiellement qui était dispo. Donc on va changer, du coup je vais partir sur le loup. Là c'est nickel, bah, c'est parfait alors. Donc la forêt de la louve cyclope. Dure terre de forêts obscures, couverte de neige et de glace. De nombreux animaux sauvages de tout type y habitent. Ouais, ils n'ont pas fait de pluriel ici. Pour sa grande abondance en baies et champignons. Ok. Donc on va partir sur le loup. Donc moi je suis là. Si on était en multi, on pourrait du coup avoir quelqu'un qui soit ailleurs. Donc on va partir ici sur la peuplade du loup. On va commencer. Donc on a pour l'instant un viking qui est disponible, donc notre héros nordique. Donc par la suite, ils ont prévu apparemment d'ajouter plusieurs typologies de héros. Donc nous on va partir sur le premier, celui qui est disponible. On va commencer la game. Et on va choisir notre carte de démarrage. Et on va partir ici... parce que ça me plaît bien, voilà. Donc on a plusieurs zones au final de départ, et à chaque fois on a, vous voyez ici, une petite base, comme une sorte de mini-château, en fait, on va dire. Voilà, c'est notre base nordique. Et on va partir ici. Voilà, la forêt de la louve cyclope. Alors, donc, il faut savoir que ce jeu est intégralement dessiné à la main. Voilà, donc tous les décors, tout est intégralement posé à la main. Donc là, je peux lever mon bouclier, donc pour me protéger. Donc me protéger des attaques des animaux, etc. Mais également du vent. Parce que le vent, par exemple, est pris en compte dans le jeu et peut me faire ralentir, etc. Donc ici, on a notre mini château, hein, notre base. Donc pour l'instant, qui n'est pas évolué, mais on va s'occuper de tout ça. Donc on peut rentrer à l'intérieur. Je vais vous montrer ça. Donc on peut rentrer à l'intérieur de notre château, plutôt notre maison troglodyte, on va dire. Et dans cette maison, on va pouvoir construire certaines choses. Donc je vous présente vite fait les interfaces, et après on va aller commencer la game. Donc vous voyez qu'ici, par exemple, on a la possibilité, on a une salle en fait, hein, et on va pouvoir construire ici. Donc si on a les éléments nécessaires pour la construction, donc une cuisine, donc il va me falloir des madriers, de la pierre et des branchages. Voilà, donc c'est un jeu qui est en français. On va continuer un peu par ici. Donc ici, on va pouvoir construire une forge, il me semble. Par là, on va pouvoir construire du stockage. Voilà. Donc ici, au niveau du coffre que j'ai. Donc il va me permettre de stocker certaines choses. Donc à droite, ici, j'ai mon inventaire. Donc sur deux pages. Voilà. J'ai mes outils de base. Donc j'ai un arc, une hache pour couper du bois. Je vais équiper ici ma pioche et des flèches que je vais pouvoir mettre là. Donc j'ai 15 flèches pour commencer l'aventure. Et j'ai de l'argent puisqu'on va pouvoir aller à la ville, on va dire au temple, au village, la partie centrale en fait de la map, et acheter certaines choses parfois. Ok, donc là j'ai récupéré mon bâton. Donc ici je vous avais dit, donc on peut construire ici si on veut la cuisine, à côté la forge. Si on part à gauche... Je vous fais la petite visite hein, de la base, hein, de la maison. Voilà. Donc ici, on va pouvoir construire un atelier. Donc ça va être la première chose à faire. La scierie, c'est un atelier. Ça va concerner tout ce qui travaille le bois, en fait. Donc 5 branches et des pierres. Ici, on a une cache secrète. Bah, une cache sécurisée, hein, comme un coffre. Voilà. Je vais y récupérer mon épée. Hop, pour pouvoir combattre. Mon casque également. Et j'ai également des pièges à brebis. Donc ça va servir à capturer des animaux. Pour l'instant, je ne vais pas m'en servir. Hop, ici. Donc on va avoir la forge. Comme je vous l'avais dit, il faut de la pierre et de l'argile. Donc pour l'instant, je n'ai pas tout ça. Et là, on va avoir notre trône. Donc le trône dans lequel on peut s'asseoir, qui nous permet en fait de régénérer notre vie et de nous reposer. Voilà. Donc je vous ai fait un peu le tour du... on va dire du propriétaire, hein, comme on dit. Donc là, ce sont les animaux que je peux avoir. Hein, donc l'ours, le bison, le sanglier, etc. En haut, donc là, on a le défilement du jour.
Jour 1 en termes de survie, on a mes points de vie, on a ma satiété en fait, mon estomac, on va dire, voilà, ma faim. Et ici, on peut remonter automatiquement au niveau du château. Donc ça, c'est intéressant quand on veut se TP en fait depuis la mine. Parce qu'on peut faire une mine également dans le jeu. Je vais vous faire découvrir tout ça. Donc là, la première chose à faire, c'est de sortir, récupérer un peu de ressources. Voilà. Alors comme je vous dis, moi je suis extrêmement fan de ce jeu, de l'ambiance sonore, du visuel. Donc là c'était la mine que je voulais vous montrer, mais non. Je voulais sortir en premier, je vous montrerai la mine après. Parce que je suis en train de vous expliquer, donc on ira dans la mine après. Donc je suis extrêmement fan de l'univers sonore et visuel. Il faut savoir, comme je l'ai dit, hein, tout a été intégralement dessiné à la main. Donc là on a des petits animaux, alors que je peux tuer si je veux. Voilà, si je veux les attaquer. Ça me permet... Mais pourquoi je récupère mon épée, là? Pourquoi il m'embête avec mon épée, là? Hop. Pas mal de mon épée, là. Voilà. Donc ça me permet de récupérer également des ressources. Donc là, je récupère des ressources, de la nourriture. Ah, il faut savoir que les arbres poussent. Voilà. C'est-à-dire que les buissons vont mourir, les arbres vont pousser. Donc j'ai un arc également et des flèches. Voilà. Alors je vais économiser mes flèches pour l'instant, j'en aurai besoin par la suite. Donc on peut récupérer les ressources qui sont dans les arbres, dans les arbustes. Hop, donc là je vais essayer de récupérer... Ah, elle s'est cachée dans les fourrés, j'allais dire dans les buissons. Donc j'ai pas pu la récupérer, on va prendre... Hop, la hache. On va couper un peu de bois. Donc on va avoir des arbres qui vont pousser en fait. Donc certains arbres vont donner par exemple du bois, de la résine. D'autres ne donneront que des branchages en fait. Hop. Donc là les combats sont simples parce que ce ne sont pas des combats. Donc là c'est un arbre mort. Donc dans un arbre mort je n'aurai que des branchages. Bon là je vais récupérer un maximum de ressources. L'idée étant bien évidemment, donc là c'est un petit arbre, donc sur un petit arbre j'aurai soit une seule bûche, soit j'aurai des branchages uniquement. En fait plus l'arbre est grand, plus j'aurai de ressources. Alors, il faut savoir qu'on a d'autres bâtiments également, on n'a pas que notre maison troglodyte, on a des temples, on a une maison de sorcière, on a des donjons, on a ce genre de choses aussi dans le jeu. Alors, je vous montrerai pas tout ce soir. Donc c'est un genre de RPG également, parce que vous voyez que plus je vais utiliser ma hache, plus je vais monter en compétence finalement sur la hache par exemple. Ça va être pareil au combat, ça va être pareil quand je vais miner, etc. Donc là je récupère tout ce que je peux, des plantes, du bois. Je vais en avoir besoin au départ pour construire en fait mes ateliers. Alors les arbres repoussent hein, bien sûr. Là, on va fouiller à l'intérieur. Donc là, on a une mini cuisine extérieure. Donc on va pouvoir fabriquer des plats de base. Si je trouve par exemple des navets ou des fèves, des petits pois en fait, etc. Ben, je vais pouvoir les cuire ici en attendant d'avoir une cuisine plus évoluée chez moi. Donc là, c'est un tout petit tas, ça ne m'amènera à rien. Là, ce que je veux surtout, c'est à manger. Parce que vous voyez que ma faim, elle descend. Je ramasse de la pierre également. Non, je ne veux pas couper l'arbre. Bon, j'ai commencé, tant pis. Je vais faire quoi demain soir comme live? Je ne sais pas encore, je ne sais jamais à l'avance, l'ami. Oh, on a un loup. Donc là, j'ai pas envie d'attaquer le loup. Il a 50 points de vie, mais ça peut être très vite assez dangereux. Parce que j'ai pas d'armure, quoique. Ok. J'avais encore enlevé mon épée. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, hein, ça se voit. Où est-ce que j'ai mis mon épée? Voilà. Donc j'ai récupéré ce que je pouvais sur le loup. Voilà, des défenses. On va essayer de récupérer la bouffe. Hop, parfait. On va récupérer un arbre, tac. Enfin, des branchages.
Alors, on va prendre cet arbre là, il est plus gros. Il va nous donner un peu de bûche. On a eu de la chance là sur le loup, il était pas forcément très fort. On a eu donc 4 bûches ici. On va récupérer ça. Les champis. Alors les champis vous nous permettront également chez la sorcière de faire des potions. Alors là, je vous parle de mes souvenirs, hein, parce que je ne sais pas, il y a peut-être des choses qui ont changé finalement. Alors ici on peut partir vers certaines destinations. Donc on n'ira pas tout de suite. Et encore une fois, hein, ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est vraiment un jeu qui est complètement dessiné à la main. Avec une patte très personnelle, moi que j'aime énormément. Je trouve que ça rend vraiment bien en termes de la mythologie un peu nordique. Donc là on est à 71 en termes de nourriture. On va regarder peut-être si on peut se faire quelque chose avant de le manger cru. Alors, est-ce que j'ai chopé quelque chose que je pourrais cuisiner? Donc j'ai de la viande d'oiseau, mais j'ai pas de sel. Donc je peux pas me faire ça. Ah, je peux me faire une purée de courge. Donc je vais m'en crafter une, ça va me permettre de gagner plus. Et je peux me faire une compote de kaki. Donc les kaki qui sont des fruits, hein. Voilà. Donc au lieu d'avoir un, en fait, j'ai gagné 8 de satiété, pardon, là-dessus. Et sur la courge, 10 au lieu de 2. Voilà. Donc c'est intéressant toujours de cuisiner. Voilà, on va rentrer avec ça. Donc on peut partir à gauche et à droite de notre petite maison troglodyte, on va dire. À chaque fois, les ressources changent. Hein. Le temps avance, les journées passent. On va avoir des attaques également. Donc ce seront des attaques en fait de hordes de morts vivants, de squelettes. Hein. Voilà, envoyées par des esprits, des divinités maléfiques. Donc là, on a les pousses d'arbres, hein, vous voyez. Donc là, on va rentrer déjà avec ce qu'on a trouvé. Et après, les divinités méchantes, on va dire, vont nous lancer des défis. Et si on ne respecte pas le défi, par exemple, ça va être de faire une offrande, etc. Ils vont nous envoyer des hordes de squelettes pour attaquer notre base. Donc là, on va regarder ici pour construire en fait la scierie, hein, le premier atelier. Il nous fallait de la pierre et des branches, on les a. Donc on va le construire. Donc les musiques, hein, sont vraiment belles dans ce jeu. Hein. Tout l'environnement visuel. Enfin, moi, je suis encore une fois, hein, ça s'entend peut-être, mais très très fan du style. Voilà, donc si on ouvre maintenant l'atelier, on voit qu'on peut se faire des armures, on peut se faire des bottes, des pots, des portes. Je vais vous expliquer après à quoi servent les portes. Des planches. Donc des planches, on peut s'en faire deux. Ça va servir. On peut s'en faire une hache, des flèches. Voilà, de l'éclairage, des cordes. Il va nous en falloir aussi. Il va nous falloir de la laine. Il va falloir tuer des moutons, etc. Donc là, on va aller voir ce qu'il nous faudrait pour faire notre petite cuisine. Qu'on puisse transformer la nourriture en intérieur. Donc on va regarder également donc, si on s'était fabriqué. Voilà. Donc 10 de satiété. Donc il y a un prix de vente, hein, de 6, puisque comme j'ai dit, ça peut se vendre. Voilà, donc là, j'ai gagné 10. On s'était fait également ici plus 8. Voilà. Donc la cuisine, elle est là. Donc notre personnage, quand il va être blessé, bah, il va avancer moins vite. Quand il va être fatigué également. Alors pourquoi il me prend mon épée à chaque fois, j'en sais rien. Alors donc là, il me faut 3 pierres de construction. Donc pour avoir de la pierre, eh bien on va aller miner. Comme ça, je vais vous faire découvrir un petit peu l'environnement, l'univers de la mine. Donc qui est ici. Voilà, on va descendre. Donc j'y avais cliqué tout à l'heure un peu trop vite. Et dans la mine, on va trouver en fait, bah, voilà ce que vous avez un peu à l'écran. Donc voilà comment ça se présente, on a une map en fait comme ça. Donc là il n'y a rien parce que j'ai rien découvert encore. Et on va trouver des salles, on va trouver des objets, on va trouver des trésors. On va trouver des ennemis bien évidemment. Donc là je vais prendre la pioche, on va partir vers la droite. Donc on va miner. Voilà, on mine en fait. Et on dégage finalement des couloirs, comme ceci. Donc là on va trouver de l'argile, du sel. Donc je vais pouvoir fabriquer, enfin cuire... une pièce de viande, d'oiseau, il me fallait du sel de roche. Et là on va dévoiler en fait, je cherche mes mots, je suis désolé. Hein. On va dévoiler en fait les mines. Donc maintenant si vous regardez, voilà, comme ça vous permet de voir un peu comment ça fonctionne.
Donc là, vous avez en fait le chemin que j'ai découvert. Et vous voyez qu'on peut descendre. Et on va descendre comme ça, d'étage en étage, pour trouver des ressources différentes, bien évidemment. Des monstres différents. Et tout un tas de trésors, de choses, de roches. Donc là, quand je mine, en fait, là, je ne trouve rien. Hein. C'est pas de la pierre que je gagne. Je ne trouve rien quand je suis comme ça. Non, ici, on a quelque chose. Alors, ça peut être un trésor, ça peut être une espèce de... d'esprit maléfique. Ça peut être un orque, un troll, ce genre de choses. Ça peut être des araignées. Donc là, vous voyez que je commence à miner, donc je gagne un niveau de minage, tout simplement. Voilà. Donc les compétences sont ici, je ne vous ai pas encore présenté cette interface. Je vais en profiter en même temps. Donc on a ma santé, défense, force, endurance, mes chances de critique, voilà. Ici, on a mes talents. Donc pour l'instant, j'ai gagné un point de minage et j'ai gagné un point de bûcheron parce que j'ai commencé à couper des arbres et parce que j'ai commencé à miner. Et on va progresser, donc c'est le côté un peu RPG. Et on progresse en fait sur ce que l'on travaille. Donc voilà, si je ne fais que miner, je vais devenir très très fort en minage. Par contre, je serai très mauvais en combat, etc. Voilà, donc ça, je trouve que c'est vraiment très très bien. Là, on a les pièces d'équipement qu'on peut équiper en termes d'armure. Donc les sauts, ça je vous les présenterai quand on pourra les avoir en fait. Ce sont des skills en fait, on va dire comme ça, vous voyez, vente d'objets, défense, etc. Ce sont des skills qu'on va pouvoir gagner. Donc les missions en cours. Donc là on a une mission en cours, voilà. J'ai attiré l'attention de la dame du royaume des morts. Ensoleillé sa journée avec une nouvelle victoire, trouvez 5 madriers et nous vous récompenserons. Donc si je lui donne des madriers, eh ben, elle va me récompenser avec un pain qui me donne une satiété de 18. Donc là, je vais la réaliser. Donc voilà, je lui ai donné les madriers, j'ai gagné du pain. C'est le principe des missions comme ça. Alors là, c'était une mission gentille parce qu'il n'y a pas de temps, il n'y a rien. Mais à un moment, on va pouvoir avoir des missions avec des esprits maléfiques. Et ça va être, si vous ne m'amenez pas un oiseau vivant pour faire un sacrifice, eh ben, je vous envoie une horde de zombies sur votre tronche. Ça va être un peu ça. Et là, pour l'instant, il n'y a rien, puisqu'on n'a pas avec les autres. Il n'y a que moi ici. Donc là, on va continuer de miner un peu. Donc pour l'instant, j'ai trouvé de la roche. J'ai trouvé du sel. Et je crois que c'est tout. Et un argile. Donc là, on a de ça. On a aussi des champis. Donc on va mettre tout ça au coffre. On meurt très facilement dans le jeu. Je vous le dis aussi. Là, encore de l'argile. Donc là, on n'a pas encore de ressources vraiment importantes. Plus on va descendre, plus on va trouver après du charbon, du fer, ce genre de choses. Donc là, on a des toiles d'araignée, donc il pourrait y avoir une grosse araignée là-dedans. Alors pour l'instant, on n'a pas d'armure, on n'a qu'une épée, voilà. C'est pas extraordinaire. Donc pour l'instant, vous voyez que je ne peux pas descendre. Pour descendre, en fait, il va falloir qu'on trouve en fait des portes comme celle-ci. Donc on va arriver à un moment sur des portes. Et ces portes vont nous permettre, en fait, ce sont des petits ascenseurs qui vont nous permettre de descendre ou de monter entre ces couches, en fait, ces strates. Vous voyez le principe? Après, à un moment, on va peut-être se retrouver bloqué, parce qu'on va être bloqué par des monstres ou des choses. Et dans ce cas-là, on a la possibilité, comme je vous l'avais vu tout à l'heure dans la table de craft, de se fabriquer des portes et de poser nous-mêmes des portes pour pouvoir monter et descendre. Alors, je vous explique un peu, je vous donne beaucoup d'infos en même temps, en allant, hein, j'ai envie de dire. Je vous présente un petit peu le contenu du jeu. Donc là, j'ai ce qu'il faut pour aller faire. Il me semble qu'il me fallait 5 pierres, donc je les ai. J'ai ce qu'il faut pour aller faire la cuisine, on va aller la faire. Comme ça, ça va nous permettre de manger tranquille. Une des parties les plus dures dans ce jeu, finalement, c'est la nourriture et les combats. Il y a certains combats qui sont très difficiles. Parce que vous voyez que notre vieux héros viking, il est pas très... disons qu'il est assez en embonpoint et en gros muscles, et du coup il n'est pas très agile. Et même dans son déplacement, hein, vous voyez, il galope pas. C'est bien pour ça qu'il était parti pour le Valhalla, hein. Il était parti pour aller en retraite, on va dire. Et finalement, il se retrouve coincé ici. Donc là, on va remonter, on va aller voir si on peut construire ce qu'on s'est dit. Donc on est le chiffre 1 pour l'étage 1, en fait. Donc on va aller vers la droite. On va aller essayer de construire notre cuisine. Ah, mais pourquoi il me reprend l'épée à chaque fois, là? Alors, donc là, je peux faire la cuisine.
Donc pour commencer à travailler dans la cuisine, installer un chaudron. Ah, donc ça c'est une autre mission, vous voyez, elle tombe là. Vous avez attiré l'attention de la dame du royaume des morts, guerrier, ensoleillé sa journée avec une nouvelle victoire. Il faut lui donner un œuf et on aura une omelette en récompense. Donc on lui donne un œuf, elle nous fait cuire en fait. Voilà. Et pour l'instant, je n'ai pas d'œuf encore. Les œufs, ce sont les œufs des oiseaux en fait que l'on trouve. Après, on va pouvoir faire de la culture également, vous allez voir. Donc là, on est en train de poser notre chaudron. Et vous voyez que maintenant, on va pouvoir avoir en gros les mêmes recettes qu'on avait dans la zone extérieure. Alors, viande, donc maintenant que j'ai du sel, donc au lieu de 2 de satiété, je vais gagner 14 avec la viande de oiseaux. Voilà, donc je vais m'en faire 2, du coup je passe cuisinier niveau 1. Et vous voyez qu'il y a des recettes qui sont encore bloquées, des recettes qui donnent plus ou qui sont différentes, tout simplement parce que je n'ai pas encore monté de niveau ma table hein, de craft, ma cuisine. Vous voyez qu'on peut monter jusqu'au niveau 9 sur cet atelier-là. Alors, je vous présente un peu hein, tous les équipements comme ça rapidement. Alors, donc ici, c'est l'alchimie. Ok, donc on pourrait le construire aussi. De toute façon, il faut tout construire au départ, hein, donc on va le construire. On va avoir besoin de tout à un moment. Hein. On va essayer de se faire la forge après. Hop, donc l'alchimie. L'alchimie, donc ça sert à faire de la bière. Donc la bière, ça rend de la santé, c'est très important. Donc on peut en faire avec des racines et des glands. On peut se faire des popos santé endurance, récupération de santé, dégâts de mêlée supérieurs. Voilà, on a des petits popos qu'on peut faire après, des popos plus fortes. Voilà, c'est le même principe, hein, des popos de dégâts. Je vais me faire une bière quand même là, parce que la bière elle rend 50 points de vie, ça peut dépanner. Donc on va s'en faire une. Parce qu'on n'est on est pas un nain, comme dirait Dude, mais on aime la bonne bière. Donc là, on va aller au niveau du coffre, on va laisser un peu d'équipement. Voilà, ce dont on n'a pas besoin tout de suite. Ah, on a trouvé un poêle à charbon. Ça pourra se vendre. Ah, ça, c'est la charcuterie d'agneau. Ça, ça vaut le coup, ça. Ouais, ça, on va le manger. Parce qu'on a faim, quand même. Qu'est-ce qu'on va ranger? On va ranger des plantes, peut-être. Donc là, on a une grenouille qui n'est pas morte. On l'avait assommée, on l'a récupérée. Donc ça, on va la garder parce que si on la repose, bah elle s'en va en fait. Hein. Les graines, on va aller faire notre petite serre dehors. On va aller poser tout ça. Alors, la camomille, on peut la laisser. Le romarin, normalement, j'en aurais pas besoin de tout de suite. Ça aussi. Les champis. Donc on a différentes sortes de champis. Ça sert à faire des popos hein, derrière. Donc il faut garder les champis, ça peut se cuire aussi, mais je conseille de garder les champis. Parce que de souvenir, on fait des popos intéressantes avec. Donc là, on va ranger notre nourriture. On est pas mal pour l'instant en termes de nourriture. Alors hop, l'idée c'est toujours de cuisiner hein, avant de manger. Ok, ça on va le garder sur nous. On va peut-être ranger un petit peu de nourriture ici aussi. Parce qu'on en a pas mal. Encore des champis. La ruche, normalement, j'en aurais pas besoin là. Les semences sèches, ça va pas me donner grand-chose. On n'avait pas équipé notre home. Donc on va l'équiper. Non. Voilà. On va équiper notre home. Remets-moi mon épée. Tac. Donc maintenant, si on vient là, j'ai mon home qui est là. On le voit hein, d'ailleurs sur l'écran. Du coup, je perds en critique. Enfin, je gagne en chance de critique, mais mes critiques sont moins forts. Par contre, on le voit, hein, je porte le home là avec la tête de loup, puisque je suis royaume des loups. Donc on va aller voir si on peut construire l'atelier à gauche. On va aller voir ce qui nous manque. Tac, on est pas mal pour l'instant en termes de nourriture, on tient le coup. Donc là, on a un petit coffre également, un même principe. Alors pour se déplacer, on peut se déplacer avec les flèches, donc ZQSD plutôt, ou ce qu'on a configuré. On peut cliquer aussi avec la souris, c'est ce que je suis en train de faire là. Donc il galope pas vite, hein, comme je vous l'ai dit, hein. Il est un peu vieux,
Il a beau être bien en chair et costaud, il est un peu vieux. Donc il nous faut trois pierres, on va pouvoir faire la forge. Donc on va aller chercher de la pierre dans la mine. On va aller se remettre nos petits points de vie. Je vais vous montrer comme ça comment ça fonctionne au niveau du trône impérial. Donc on s'assoit sur le trône impérial. Et ça n'a pas changé. Vous voyez, ça nous rend nos points de vie tranquilles. Ça nous soigne, on va dire qu'on se repose pendant un certain temps. On va retourner dans la mine, les amis. On va aller chercher les pierres qui nous manquent pour pouvoir se faire notre forge. Voyez, un galop vraiment pas vite, hein. Donc c'est pour ça que je vous dis que certains combats sont quand même très très difficiles. On a des ennemis qui sont assez rapides, qui sont costauds. Et c'est pas le type de jeu où on peut sauter partout en évitant les attaques et se barrer. Donc il faut faire attention au combat. Donc là, toujours, je peux partir à droite ou à gauche. Voilà. Donc je peux continuer vers la droite tant que j'ai de quoi faire. Je peux partir à gauche. On va partir à gauche pour changer un peu. On va essayer de trouver une porte pour descendre. Hein, c'est le but. Toujours descendre plus profond. Donc là, on n'aura pas grand-chose à part du sel, de la pierre et puis des bricoles. Si on veut des choses plus intéressantes, il va falloir descendre, hein, de toute façon. Alors pour l'instant, on n'a pas d'ennemis. Normalement, la première couche, comme ça, c'est assez safe. C'est un peu la couche de démarrage de présentation. Il va falloir qu'on ressorte un peu dehors, chercher des animaux. On va aller voir, comme j'ai dit aussi, pour faire notre petite culture, c'est important de la faire vite. Et après, on sème des graines, en fait, dedans. Donc, on peut faire soit une petite serre, soit une petite zone où on va enfermer des animaux, en fait. Donc il faut les piéger avant. Donc là on prend vraiment tous les champignons qu'on trouve. Parce que c'est utile pour la suite. Alors là je suis en solo, mais c'est un jeu qui peut se jouer en multi. Donc c'est bien en multi parce que du coup, il y en a un qui peut miner, l'autre il peut faire autre chose, chercher des ressources. Et c'est intéressant après surtout pour les combats en multi. Parce que ça permet d'être un peu plus safe. Vous voyez là on a une zone en dessous. Ça me rassure pas ça. Ah non, il y a une pierre. Voilà, j'ai eu les pierres dont j'avais besoin. Donc là, je peux pas aller plus loin par là. Vous voyez que je peux pas miner ici. Donc il va falloir que j'aille à droite pour trouver une porte. Et si vraiment il n'y a pas de porte sur la droite, bah, je poserai une porte pour pouvoir descendre. Mais il y aura une porte à droite, hein. Normalement, il y a toujours une possibilité. Surtout que là, on est vraiment au départ. C'est pour ça que j'utilise pas les flèches non plus pour les animaux, hein. J'essaye de mettre un coup d'épée. Parce que les flèches sont assez rares aussi. Il faut les fabriquer. Alors on va remonter. Après il faut aimer le style, hein. C'est un style un peu particulier. Il y a très très peu de gens, hein, qui font de vidéos, qui stream dessus. En français c'est quasiment inexistant, c'est très vieux. C'est très très vieux. Alors que le jeu n'a cessé finalement de s'améliorer. Au départ, les combats étaient beaucoup plus compliqués encore que ça. Déjà, l'interface était différente. Le moindre loup nous tuait quasi à coup sûr. Un peu comme dans Wild 8. Ouais, le moindre loup nous tuait quasi à coup sûr. Là, ils ont un petit peu réajusté tout ça. C'est vrai que c'est quand même un petit peu plus simple. Même si ça reste complexe. En même temps, c'est moi qui suis pas très doué, hein, vous le savez, au niveau des combats. J'ai jamais été un combattant émérite dans aucun jeu d'ailleurs. Donc vous voyez qu'ici au niveau de la forge, on va avoir possibilité de se faire donc des équipements avec du fer. Hein. Donc des équipements en dur pour se protéger. On va se faire des poêles à bois, on va avoir des objets en équipement plus fort. Donc on va il nous falloir du cuivre, des alliages en fait, hein, etc. Avec des peaux de bête également. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses à se faire. À la fin, on a l'épée du conquérant, hein, qui fait beaucoup de dégâts là. Mais bon, atelier niveau 9, lingot d'or, un crâne de démon. Ce ne sont pas des choses qu'on aura facilement, vous imaginez bien. Donc là, on va aller voir ce qu'il nous faudrait pour se faire notre petite serre de culture. C'est ce que j'aime bien aussi dans ce jeu. Donc c'est tout l'univers peint et dessiné intégralement à la main. Ça, c'est vraiment génial. Moi, j'adore. C'est également l'ambiance sonore. Je trouve assez simple et finalement ça reproduit bien ce qu'on peut s'attendre d'une terre désolée, d'une terre froide. Voilà, il n'y a pas 36 bruits qui viennent nous perturber.
Alors, donc ici, on a notre cahute, hein, et quand on clique dessus, ben, on peut l'améliorer également. Donc là, si je veux l'améliorer, il va me falloir des madriers. Donc on va aller chercher du bois, et ça va me permettre d'avoir une petite protection autour. Et plus on va l'améliorer, plus on va avoir une enceinte, en fait, résistante, ben, pour pouvoir résister aux attaques de démons, hein, de squelettes et autres. Et ici, on a deux emplacements. On va pouvoir construire donc un des éléments au choix. Donc soit ici, un truc pour les moutons, soit ici pour les pour avoir des œufs en fait avec des petits oiseaux, des espèces de dodo là, soit une culture de graines. Donc on va se faire une culture de graines pour commencer. Donc il nous faut beaucoup de bûches, des planches et des cordes. Donc il nous faut de la laine et il nous faut du bois. On va partir de l'autre côté parce qu'on n'était pas parti encore de l'autre côté. Donc là, ça nous donne du gland, mais le gland, ça peut nous être utile. On va reprendre notre hache, on va couper le bois. Parce qu'on a vu qu'il nous fallait quand même pas mal de bûches. Enfin, donc là, l'arbre, il est un peu vieux. Pardon. Donc je suis pas sûr qu'il donne pas que des branches. Non, ça va, il a donné aussi 3 madriers, donc 3 bûches. Donc pas oublier de fouiller aussi les buissons et tout. Vous voyez, on trouve des choses, de la paille et tout. Donc les arbres, il n'y en a pas beaucoup et ils mettent du temps à repousser. Donc on spamme un peu les ressources, mais on peut pas non plus spammer. Donc là on a un joli dodo, on va essayer de le récup. Non, il s'est caché. Il est pas bête, il s'est caché. On a trouvé quand même une myrtille. Ah, il sortira pas, c'est pas grave. Donc après il y a d'autres endroits où on peut rentrer. Je vais vous montrer. Donc là on va regarder ce qu'on a. Donc là, c'est le portail ancestral, donc avec la clocharde. Bon, là, on va ressortir. Mais après, on a du portail qui nous permet de se déplacer. On va avoir une sorcière qui va nous permettre de faire de la popo, etc. On a d'autres lieux, hein. On a des donjons aussi qu'on peut visiter. Alors, on peut pas y aller là, hein, parce qu'on va se faire massacrer direct. On se retrouve avec... Alors ça, c'est certainement un donjon. On se retrouve avec une horde de squelettes ou des araignées direct. Hein. Donc là, on a un piège. Ok. Donc ça nous permettra de choper quand on devra prendre un animal, de l'attraper pour le mettre dans notre élevage. Donc là, on va ramener masse de bois. C'est surtout ça qu'il nous faut. Donc je trouve que l'univers très froid, il est bien rendu. Et du coup, le déplacement du personnage assez lent, bah, je trouve qu'il correspond bien à l'univers glacé, en fait. Parce qu'on imagine qu'il a beau être habitué au froid. Et bah, voilà, ça reste un pays où le vent souffle. Très difficile en termes de conditions de survie. Et on peut imaginer que bah, les choses faisant... On va récupérer tout ce qu'on peut à chaque fois, à chaque sortie. Donc là on va prendre un peu de branchage. Bon là on n'aura pas de bois c'est sûr, mais des branchages ça nous sert aussi. Vous voyez hein, les arbres poussent de toute façon à un moment. On va récupérer ça. Ça, des graines peut-être on va avoir. Du navet, une semence de navet, c'est cool. Hop. Donc ça c'est un donjon aussi. Alors je veux bien aller à l'intérieur, comme ça vous allez voir ce qu'on y trouve. Mais on va pas y rester, hein, je vous le dis. Normalement je peux y aller même si j'ai pas de niveau. Alors j'aimerais bien trouver des semences, comme ça je vais pouvoir semer dès que j'aurai... Ouais, on peut y aller, ouais, de la ciguë. On va pas rester, hein, je vous le dis, on va se barrer. Voilà, donc ça c'est un donjon, vous allez voir. Vous allez voir ce qui va me venir sur la tronche. Si ça n'a pas... Voilà. Donc là, on a les squelettes, hein. Mais ceux-là, ils sont sympas. Il y en a des beaucoup plus gros que ça. Hein. Enfin, ils sont sympas. Bon, on se comprend. Donc là, j'ai pas d'armure, j'ai rien du tout. Bon, je pourrais m'en faire un, peut-être. Mais après... Ah, vous voyez? Regardez. On a le monsieur géant, là. Alors, on va pas aller s'y frotter au monsieur géant. Comme ça, vous avez vu un peu ce que ça donne. Donc la map est pas très grande sur les côtés. Là, on a un loup. Ah, là, c'est pour faire une offrande, peut-être. On va récupérer ça. On fait attention au loup.
voyez, quand moi je jouais au jeu il y a un an de ça, le simple loup là qu'on a là, il aurait eu ma peau. Hein. C'est clair. Alors que là, je me dis que je vais peut-être pouvoir aller le chercher. J'ai plus de cuisine prête à manger. Ah si, j'ai le pain. On va manger le pain. Voilà. Comme ça, je reprends un petit peu de nourriture et on va essayer de... Pourquoi j'ai encore enlevé mon épée? Qu'est-ce que j'ai fait de mon épée? Pourquoi j'ai plus mon épée? Je l'ai posée quelque part. Ça, c'est pas cool. Vous avez vu où j'ai posé mon épée? Pourquoi j'ai plus mon épée nulle part? Alors, je vais m'équiper de ça. Ah non, j'ai dû la poser quelque part au moment où j'ai pas fait attention. Ah là, le vent se lève. Donc ça va me ralentir dans mes déplacements. Ah oui, non, mais non. Pourquoi est-ce que j'ai paumé mon bâton aussi, là? Ah, c'est comme ça que j'ai dû paumer mon épée. Voilà. Donc les loups maintenant sont plus trop difficiles à avoir, mais ça me fait peur là, parce que sans épée, waouh. Alors est-ce que je l'ai pas laissé dans le donjon avec les bestioles là? Alors ça m'embête. Ça m'embête vraiment ça. Ah non, parce que là, le bâton, c'est vraiment de la merdasse. Bon, bah on va faire avec, hein, tant pis. Alors, donc, j'ai le bois. Il me faut 3 planches et 5 cordes. Et les cordes, je les ai toujours pas. Allez, on va aller fabriquer ça. Tranquille. Ah, ça c'est vraiment pas de bol, ça m'embête pour l'épée là, j'ai pas vu où c'était. Donc j'ai dit 3 planches de plus. Voilà. Et pour de la corde. C'était là. Donc j'ai la paille, mais il me faut de la laine, donc il va me falloir pas mal de laine en plus. Donc il va falloir que je trouve du mouton. On va aller ranger le reste, on va aller cuisiner ce qu'on peut. Toujours penser à faire gaffe à la cuisine. Parce que la bouffe, c'est vraiment la petite difficulté, hein, je trouve, dans le jeu. Ouais, là, j'ai pas débloqué, vous voyez, tout ça, il faut que je fasse évoluer pour débloquer certaines recettes. Donc, je peux faire ça. C'est tout ce que je peux faire. Qu'est-ce qu'il me faut pour faire évoluer ici? Je peux faire évoluer niveau 2, donc on va le faire. Puisque je peux pas encore me faire les cordes. Voilà. Donc vous voyez, ça change de tête. Et pour les recettes, là, c'était niveau 3, il me semble. Ouais. Et pour améliorer au niveau 3, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut de l'argile et du charbon. Du charbon, j'en ai pas pour l'instant. Donc il va falloir les miner, on peut pas manger pour l'instant davantage. Donc les popos, je m'en fous. Pour l'instant, je m'en fous un peu. Alors c'est bizarre qu'à chaque fois il me chope le bâton là. Du coup j'ai paumé mon truc comme ça, c'est bizarre. Les champis. Ok. Ça, on va le garder. Ça se mange. Et on peut le manger comme ça. Ok. Les plantes, on va les ranger. La ciguë. Ah, les graines, on va les ranger en attendant. Du chou, du navet.
Donc ça, on va le garder pour cuisiner. Ok. Donc on va ranger ces graines là aussi. Alors ça c'est quoi? La courge rouge, ok. Courgette à rayures. Donc la courgette à rayures, c'est la courgette normale. Ok. Yo, 6h, comment ça va l'ami? La forme? Alors, donc ici, on peut poser des coffres. Hein, je vous avais dit, on fera une salle des coffres à droite. En fait, tous les petits panneaux ici, on peut poser certains éléments. Voilà, généralement, comme ça, on stocke à côté des tables, en fait, des zones de craft, les éléments dont on a besoin. Donc là, il faut qu'on retourne chercher un peu de nourriture, qu'on retrouve chercher du mouton surtout. C'est le plus important. Et il nous faut aussi du charbon, donc il va falloir qu'on retourne miner. On va manger hop, ce qu'on avait cuisiné. Voilà, 48, c'est pas énorme. Alors, on avait de la viande là qu'on avait chopée. On va la manger. On va ressortir, essayer de se choper un animal. J'ai plus mon épée, ça m'embête vraiment. Hein. Je sais pas où je l'ai perdu. Ben, ça va très bien, César. Qu'est-ce que ce jeu? C'est Niflheim. Un RPG de divinité nordique, en fait. On l'a raté, tant pis. On a chopé une grenouille. Ah, on n'aura pas réussi à la voir. Hop, ça nous fera un peu de viande. On n'arrivera pas à la voir, le oiseau. Après, si je veux vraiment un zozio, on va y aller à l'arc. Voilà. Alors, j'aime pas trop utiliser mes flèches pour ça. Parce qu'on en a pas beaucoup. Tueur de kiwi. De kiwi ou de dodo, d'ailleurs, je sais pas trop. C'est un peu ça. Ah, il faut bien se nourrir, que veux-tu? On va récupérer un peu de bois encore. Oh, un mouton. Alors, ça, il nous le faut absolument. Parce qu'il nous faut de la laine pour de la corde. Donc, il nous faut masse de moutons. Voilà, j'ai eu deux laines, on n'en a pas assez. Et je deviens chasseur de niveau 1. Donc c'est un sort de RPG en fait, sur de la divinité nordique. On est en ancien héros nordique, on était en route pour le Valhalla. Et puis on a été, notre bateau qui voguait vers le Valhalla a été intercepté par des esprits maléfiques. On a eu de la chance là sur le lapin, il a failli rentrer dans son terrier. Et du coup, on se retrouve coincé dans une terre froide, aride. Alors, on va retourner voir à l'intérieur là si j'ai pas laissé mon épée là-dedans. Parce que j'ai perdu mon épée en route. Waouh, bah j'irai pas plus à l'intérieur que ça. Hein. Parce que les bestiaux, ils m'attendent encore. Et j'ai pas un casque à cornes, non. Donc là, c'est pas encore poussé, vous voyez. Hein. L'arbre, il est tout petit. Par contre, on va récupérer les plantes, on va récupérer tout ça. On va aller s'attaquer au loup. Parce que ça nous fera de la peau. Voilà. Pour l'instant, ça va, on n'est pas beaucoup blessé. On a un peu de nourriture par là. On va la prendre. C'est cool. On va couper un peu de bois ici. Donc on est au quatrième jour de notre survie dans le froid. C'est ballot, comme tu dis. Donc il nous faut des bûches, il nous faut des ressources.
C'est pas ce que je voulais, mais bon, on va le prendre. Ça nous fera quelques branches. On a encore une pierre ici. Ok. Vous voyez qu'ici, comme je vous l'ai dit, on a les mêmes que de l'autre côté, en fait. Donc, on a deux destinations. On a la ville du temple. Et on peut aller à gauche vers l'aigle. Donc, l'aigle, c'était la contrée voisine, en fait. Donc, moi, je suis du loup. Donc, je démarre sur le loup, mais on peut aller à côté. Et si on va à la ville du temple, je vais vous montrer. Donc, on va à la ville. Et on a finalement un marchand qui est là, il me semble. Si ça n'a pas bougé. Alors, c'est une espèce de marchand noir, hein, voilà. Voilà, c'est un mauvais esprit en fait, donc il nous vend des choses très chères. 90, vous voyez, un casque à 180, on a 160. Après on peut lui vendre si on veut certaines choses, parce que ça a une valeur marchande, hein, mais ça vaut vraiment pas grand chose. Et il faut éviter de l'acheter parce que de temps en temps on a besoin de venir acheter... pourquoi j'ai acheté ça? Je voulais pas, bah c'est pas grave. J'ai cliqué trop vite en fait. Bref, c'est pas grave. Je disais, il faut éviter d'acheter parce que de temps en temps, on va avoir besoin. Le canala du jeu. On va avoir besoin de. Non, j'ai pas envie en fait. Donc là, c'est une arène, mais ça m'intéresse pas. Et ici, on a une autre partie. Je disais, on va avoir besoin d'acheter certaines choses pour pouvoir finalement... donc là, c'est le temple de résurrection. Donc ça, je ne vous en parle pas pour l'instant. Ça ne sert pas à grand-chose. On va avoir besoin... Donc je vais y arriver. D'acheter certaines choses pour répondre à une exigence de divinité. Sinon, on va... Ah, on peut faire le plat de fave. C'est cool. Le reste, on peut pas encore. Ok, il nous manque du sel. Mais on a une cuisine, on a toutes les commodités en fait, hein, au village, hein, à la ville. Donc là, on va repartir. Donc on va retourner les terres sauvages du dragon blanc, l'aigle du désert, non. Donc ce sont les différentes contrées. Ça, c'est la zone en fait centrale, si vous vous souvenez sur la map quand on a démarré le jeu. On avait les quatre zones autour avec les animaux et on avait la zone centrale, c'est le village en fait. Donc nous on va à la Louve Cyclope, qui est notre domaine. Voilà. Donc là on a un temple, vous voyez, on peut faire des offrandes, et on peut récupérer du coup certaines choses, si on offre un lapin, si on offre ce genre de choses. Là il nous faut donner 3 grenouilles en fait, pour récupération de santé pendant 100 secondes. On fait une offrande et le temple, enfin l'espèce de gargouille, là, nous offre un bonus en échange. Vous voyez, ma courge, elle a toujours pas poussé, là. On n'a pas de baie sur les arbres. On a un vieil arbre ici, on va essayer de le couper. Alors, c'est pas grave, tant pis pour l'épée, on essaiera de s'en refabriquer une. Ah, là, on a les fruits qui viennent de pousser sur l'arbre, ça, c'est cool. On n'a pas assez de laine pour les cordes, il va falloir qu'on se rechoppe d'autres moutons. Ah, où est-ce qu'il m'a mis encore mon bâton là? C'est quoi cette connerie là? Pourquoi j'ai perdu mon bâton là? Il me l'a mis dans l'inventaire. Je sais pas pourquoi il me fait ça là, à chaque fois. C'est bizarre. Il m'a fait la même avec l'épée, j'ai perdu mon épée. Alors là, on a un bel arbre là, on va le prendre. Ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est vraiment, encore une fois, l'univers sonore, l'univers visuel, graphique, intégralement fait, dessiné, peint à la main. Ça, c'est vraiment génial. Et puis le côté dynamique, assez lent du jeu. Moi, ça me correspond bien. C'est pas un jeu très speed. Et finalement, moi, j'aime bien ce côté un peu lancinant, un peu âgé comme ça. Alors, brancher de la paille, j'ai pas trouvé d'œuf. Il n'y avait pas d'œuf d'oiseau dans le nid. C'est dommage. Donc là, j'ai une pierre. Hop, j'ai un carabel arbre là. On va la récup. Pourquoi il m'a enlevé ça?
dynamique lent. La dynamique du jeu, elle est lente, ça se voit, regarde. Le personnage, toi, il peut pas galoper, hein. Il est un peu dans bon point, c'est un ancien viking nordique, donc il était parti pour le Valhalla, donc il est âgé, on voit qu'il était sur la fin, quoi. Et il se retrouve là perdu sur une contrée... Ah, j'ai eu l'oiseau, super. Ça me fait un peu de nourriture, il me faut du sel maintenant pour la cuisiner. Mais voilà, on voit que c'est pas un jeu, tu vois, finalement, où on va pouvoir sauter à gauche, à droite pour esquiver des mobs et tout ça. Alors là, il veut toujours l'œuf. Donc il me faut 2 œufs pour avoir l'omelette, mais je l'ai toujours pas. Donc pour l'instant, c'est niette. Ici, j'ai toujours pas les cordes. On va rentrer à la maison. On va faire le point de ce qu'on a trouvé. On va regarder si on n'a pas un petit truc à cuisiner. Alors on avait déjà cuisiné ce qu'on pouvait se faire. Si j'ai retrouvé des baies, donc on peut se refaire une soupe de kaki là. Et pour la viande, il me faut du sel. On va aller dans la mine. Parce que la viande cuite de Zozio, là, ça donne beaucoup de satiété pour la nourriture. Ok, donc là on va faire comme d'hab, on va ranger nos champis. Ça nous permettra de faire des popos. Donc ça c'est toutes les racines, sauf que pour l'instant je ne peux pas planter. Donc les fleurs. Ok, on a des pots de lapin. On a des pots de loup, on va regarder si on peut pas se faire un truc. Encore des champis, plein de champis en fait. Alors c'est un petit jeu, il faut mettre les champis avec les champis. Hop. Alors, les semences, je sais même plus si j'avais déjà des courges à rayures, grandes courges rouges. Ouais, j'en avais là. Faut prendre le temps de bien ranger, c'est important, parce que sinon il y a plein de... On a vite le bordel, parce que vous voyez, il y a beaucoup de champis finalement. Alors ça, j'en avais déjà là aussi. Ça peut se manger comme ça. Voilà, on va en garder une. Ça peut se manger. On va les miner un peu. On a mangé un peu. On va aller récupérer notre vie et on va les miner. Histoire de trouver un peu de sel peut-être, un peu de charbon. Histoire de pouvoir améliorer notre cuisine et nous faire des plats un peu plus conséquents. Et en multi, ce jeu, il est encore plus intéressant parce que finalement, on a ce côté échange de ressources, travailler ensemble pour protéger la base aussi. Parce que vous verrez, si on a l'occasion de se faire attaquer aujourd'hui parce que je peux pas répondre à un besoin, du coup on sera attaqué par une horde. Vous verrez que tout seul, waouh. Allez, on va aller hop, nous asseoir dans notre trône, enfin sur notre trône, du coup on regagne notre santé. C'est important parce que si dans la mine on tombe sur une bestiole. Donc là vous voyez qu'on est progressé également en cuisinier et en chasseur. À force de tuer des animaux, hein, on progresse sur les talents que l'on utilise, comme je l'ai dit. Et on va les miner. C'est vraiment dommage, hein, comme je le disais, qu'il y avait vraiment très très peu de streamers sur ce jeu. C'est un jeu qui est... Bah, qui pour moi est, enfin, a sa petite spécialité, mais qui est vraiment très bien. Ah, si on pouvait faire ça en vrai, ce serait bien, hein, s'asseoir et se revitaliser, tu m'étonnes. C'est un jeu qui est vraiment intéressant, qui est solo, qui est multi, qui est bien stable, qui est bien développé. Qui a beaucoup évolué depuis pas mal de temps et au final qui est plus du tout mis en avant par aucun streamer. Je suis le seul à streamer dessus aujourd'hui encore, comme c'est le cas tout le temps de toute façon. Il n'y a plus personne qui y joue parce que l'effet de mode est passé, hein. C'est un jeu qui est quand même assez vieux, mais c'est pourtant un très bon jeu, hein. C'est vraiment dommage. Ah, du sel, cool. On va pouvoir faire un peu de cuisine.
Alors on va faire attention, il y aura peut-être une araignée pas loin. De l'argile, il nous en fallait aussi. Parce qu'il y a des toiles d'araignée beaucoup, là ça m'inquiète un peu. On va manger ce qu'on avait acheté du coup. On va récupérer les champignons aussi. Oula! Alors là, on a une porte pour descendre. J'espère qu'on n'a pas de bestioles. Donc si on regarde sur la map, vous voyez, on arrive au bout. Donc on a une porte, et une porte ici va nous permettre de descendre en fait d'une couche. Et c'est le fonctionnement de la mine en fait. On descend comme ça d'une couche à chaque fois. Voilà. Donc là, en cliquant là, hop, automatiquement je suis à l'étage 1, je descends à l'étage 2, et là je peux repartir bah, gauche-droite, et puis voilà, voir un peu où ça va m'amener, par exemple ici. Donc là, vous voyez qu'ici, je peux pas y aller parce que là, j'ai pas de porte pour descendre. Donc si je veux aller dans ce bout-là, il va falloir soit que j'arrive par en dessous et que je remonte, comme ça, c'est possible, soit que je peux mettre une porte ici moi-même pour descendre à l'étage du dessous. C'est faisable aussi. On va à droite pour voir. On va y aller. Non, en fait, les outils comme ça, le pic et tout ça, n'ont pas de durabilité, non. Après, tu fabriques des objets plus performants. Mais il n'y a pas de durabilité dessus. C'est simplement de la performance qu'on va acquérir. Donc, plus on va descendre profond, plus on va trouver des ressources intéressantes. Hein. Vous voyez, pour l'instant, on n'a pas de fer, on n'a pas de cuivre, on n'a pas de charbon. Hein. Ça, on les aura que dans les couches beaucoup plus basses. Donc là, on est arrivé au bout. On avait deux roches, c'est cool. Donc on va partir à gauche. Donc là, on est niveau 2. Et il faut être au moins niveau 4 ou 5, hein, normalement, pour avoir un peu de charbon. On n'en aura pas avant. Et du coup, généralement, vers le niveau 3, on découvre les premiers esprits maléfiques. Hein, les trolls ou des conneries dans le genre. Tu sentais un truc caché. Alors, c'est pas grave, on trouve des ressources. Donc, je pense qu'à l'étage du dessous, on devrait avoir nos premières subtilités un peu moins agréables. Là, le premier et le deuxième étage, c'est vraiment le début, quoi. Par contre, quand on mine, quand on pioche, donc on progresse dans la compétence. Hein. Donc, vous voyez que là, en mineur, j'ai gagné un tout petit peu. Et ça permet du coup après d'être plus efficace et de pouvoir utiliser aussi des objets meilleurs. Vous voyez, après faut aimer hein, le type de gameplay, le type dans l'idée du jeu. Moi j'aime bien parce que ça correspond finalement à ma dynamique. Hein. J'aime pas les jeux très speed, j'aime pas tout ça, j'aime pas le PVP. Donc là, vous voyez qu'on va pouvoir descendre ici. Et j'ai une deuxième porte là, donc je vais certainement pouvoir descendre plus bas directement. Ah, là, on a une cache. Alors ça, c'est certainement... Il y a certainement un joli copain qui va nous attendre. Hein. C'est pas... Faut faire attention aussi quand on mine à la nourriture. Donc on va partir à droite pour voir un peu. Donc, vous voyez, j'avais raison. Si on descend là, on peut descendre directement au niveau 4. On va aller voir ce qu'on a par là. J'espère qu'on n'a pas un troll ou une connerie. Ah, on a du charbon, cool. On a du charbon là, regardez, une veine. Ça, c'est très bien, ça va nous permettre d'améliorer notre... Il nous fallait du charbon pour améliorer, je crois, la cuisine et un autre atelier. Donc on a de la chance. On commence à trouver un peu de ressources. Exactement, ouais, Stardew Valley, il a un multi qui va arriver en 2018, ouais. C'est un jeu que j'aime beaucoup aussi, Stardew Valley. Ça sera l'occasion peut-être de faire un petit truc multi avec certains. C'est un jeu que j'aime bien, qui est assez fun. Donc là, il faut passer par en dessous pour aller là, mais ça me fait peur, hein, je vous le dis. On va aller voir. Il y a certainement une créature infernale. Donc, est-ce que j'ai encore un truc à manger, là, ou pas? Alors, j'avais une pièce de viande en plus.
J'en ai plus. Ah, j'ai une soupe. Ça me donne 10. On va la manger. Ok, on va miner encore un peu, mais il faut faire attention parce qu'on s'épuise. Et à partir du moment où on est... Il me semble que c'est à partir de 20, on est fortement ralenti. Hein. On va remonter bientôt. Donc après, je vous montrerai un truc pour pouvoir remonter, en fait. Je vous l'ai déjà montré tout à l'heure. Enfin, expliqué, mais je voulais pas montrer. Tu l'avais saigné à la sortie, ça m'étonne pas. Enfin, c'est un bon jeu. Tu l'avais dit pour la droite, mais trop tôt. C'est ça, en fait. T'avais senti plus loin le petit cadeau. Ah, j'aimerais bien un petit peu de sel en plus. Ah, ça me fait peur. On n'a pas de mob, là. C'est pas normal, ça. Un cadeau comme ça... Généralement, on a un troll ou une connerie. Ça me... On va aller voir, hein, de toute façon. Hop, hop, hop. J'avais raison. Oh là là. je sais pas si c'était une espèce de troll, là. Mais oh là là. Regardez le bestio, là. Il va pas laisser son trésor. Hein. On va remonter, hein. Il avait pas l'air accueillant, le bestio. Après, on peut poser des portes, hein, comme je l'ai dit. Faut les fabriquer. Mais on peut poser des portes, ça évite d'aller à gauche, à droite pour reprendre les chemins. Ah non, j'ai recliqué, pardon. Il avait l'air trop impressionnant, le monsieur, pour moi tout seul. À deux, ça aurait pu se tenter, mais pas tout seul. Parce qu'il y en a qui pourraient avoir bah finalement l'épée. Bon, je l'ai paumé en plus. Et il y en a qui pourraient avoir... oh là là, c'est quoi, ultimatum. Il faut 3 grenouilles. Alors, regarde, il y a le seigneur de vieille du temple. Le seigneur de la ville du temple, d'accord. Vous appelle. Apportez au temple dès que possible 3 grenouilles pour le sacrifice. Sinon, ils vont m'envoyer une horde en 10 minutes. Ouais, super. Je vais me faire défoncer. J'ai 2 grenouilles. Et ils veulent 3 grenouilles, les cocos. Bon, bah, je crois qu'on va se prendre... Il y a du multi, oui, oui, bien sûr. Il y a du multi dans le jeu. On va se prendre une horde dans la tronche, parce que si j'ai pas la grenouille... Alors, bah, on peut faire évoluer la cuisine, on va le faire. Comme ça, on va avoir des recettes supplémentaires. À chaque fois, le visuel, hein, change. Et c'est dessiné à la main, hein, donc c'est très très beau, hein, ça, tout a été fait à la main, quoi, intégralement. Donc l'intérêt, c'est de débloquer des nouvelles recettes à chaque fois qu'on fait progresser, vous voyez. Et des recettes qui donnent de plus en plus, en fait, de satiété. Donc là, j'ai ce qu'il me faut, bah, une carotte avec du lapin, là, ça me donne 16. On va se cuisiner ça. Donc là, il me faut bah, du sel, des œufs, des semences sèches. Alors, je peux me faire une soupe de légumes. On va la faire. Voilà. La nourriture, hein, dans le jeu, elle est très importante. Et en plus, ça me fait gagner des levels de cuisine. Donc ça, c'est cool. Voilà, là, on est reparti plutôt pas mal pour la bouffe. On est monté, du coup, on est plein. Et on a un petit peu de bouffe d'avance, là. On a des soupes, un ragoût. On est pas mal. Ah, le multi, il est intéressant, ouais. Il est intéressant, en plus, là, on a des popos. À gauche, on a de la forge. Pour faire des armures, des nouvelles armes et tout ça. Alors, pour l'instant, j'ai pas encore de minerai, mais bon, ça viendra. Donc, comme je disais, hein, tous ces caches-là, on peut poser, en fait, des coffres. Donc, on peut se mettre des rangées de coffres, hein, pour stocker tout ce qu'on a besoin de stocker. Donc là, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Alors, tac. Un champi vert, j'en avais pas des comme ça. Ok. Les graines, faut les garder parce que dès qu'on va pouvoir, on va les planter. On a de l'argile encore, des pots, pop, pop, pop. Ça, j'en avais pas non plus de ça.
Le petit bleu, j'en avais pas non plus. Ok. Donc là, il faudrait hein, que je range finalement un peu. Que je fasse un coffre pour stocker tout ça. Il n'y a pas de contenu qu'on peut faire qu'à plusieurs, non. En fait, c'est le même contenu partagé. Par contre, là, on est au début de l'aventure. Après, c'est dur parce que pour monter les tables, il faut beaucoup de ressources. Et puis après, on se prend... Ah, j'ai un champi. Fâche 2, ligne 1, colonne 3. C'est précis, ça. Alors, on le mettra après, bah, t'inquiète. Mais qu'est-ce que je disais? Oui, finalement, après, quand tu te fais attaquer par les hordes de bestioles, là, si on n'est pas deux, c'est massacré. Hein. On meurt très vite dans ce jeu. Hein. Très, très vite. Bah, il n'a pas beaucoup de points de vie. Il n'est pas très rapide, le bonhomme. Donc, bon. Alors, là, je peux presque me faire une armure du chasseur. Il me faudrait un lingot de fer en plus. Parce que j'ai chopé des pots. Vous voyez, hein. Alors, ça, je l'ai déjà. Le homme du loup, puisque je suis je fais partie de la tribu du loup. Si on est de l'ours, on a un homme d'ours, etc. Là, il me faudrait un lingot de fer. Donc là, ce qu'il me fallait, c'était de la corde. Sauf que je peux m'en faire que deux. Et il m'en faut... Ça m'en fait 4, il m'en faut 5. Donc il me refaut une peau de mouton. Ben, on va sortir. Ici, pour la forge, je peux rien faire pour l'instant. On va ressortir, les amis. Il faut essayer d'attraper une grenouille. Et t'as vu hein, tout à l'heure, à 6h, quand j'ai été dans le donjon aussi. T'as vu le squelette géant qu'on s'est pris dans la tronche, là? Ah, une grenouille. Alors, on a les grenouilles, cool. Yes. Toi, t'es cuit. Ah, de la bouffe. On va aller porter la grenouille. Si on veut éviter de se faire massacrer, un petit cochon. Viens là. Voilà. On peut pas la cuisiner encore la viande de porc, mais c'est pas grave. Oh, un mouton. Il nous faut le mouton. Bah oui. Donc le mouton, c'est un impératif. Voilà, il me fallait de la laine. J'espère qu'avec une de laine, ça suffira pour me faire les cordes et du coup pouvoir faire la petite serre extérieure pour faire de la plantation de graines. Et après, on peut faire donc on peut faire une serre, on peut faire un petit poulailler en fait où on met des poulettes là qu'on capture avec un piège pour avoir des œufs. Donc ça, c'est le maxi donjon là, on va l'éviter. On va pas y aller tout de suite. Hein. Ah, on a encore un loup sur la route. Donc vous voyez, les ressources repop, les loups repop, hein, tout repop en fait. Donc ça, c'est le petit arbre, on va le laisser, on va s'attaquer au gros. On va avoir un peu de bûche, on va en avoir besoin pour faire des planches. Et on va s'attaquer au loup. Après, encore une fois, il faut aimer le style. C'est un style particulier. Bon là, il n'aura pas le temps de se retourner vraiment, de m'attaquer. Quoique, non, ça va. Ouais, j'aurais pu me protéger. Hein. Donc là, ça me donne un peu de viande de temps en temps. Ça me donne une peau. La peau, ça me permet d'avoir des... De me faire une armure. Il me manquait un truc pour l'armure. Je sais plus quoi, d'ailleurs. Ah, j'ai réussi à avoir la citrouille. Ouais. Et encore un champi. Vous voyez, il faut reprendre les ressources qui sont devant, au premier plan, pour pouvoir accéder à la ressource qui est plus loin, en fait. Alors, donc, la ville du temple. Et c'est le prêtre de la ville du temple, je crois qu'il nous avait dit. Hein. Du coup, je crois que c'est lui. Je ne sais plus. Non, ça, c'est le truc... non, c'est pas ça. Ça, c'est... c'est pas ça... Je ne sais plus où ça se trouve, ça, le prêtre... les prêtres de la mort. Ah, là, c'est la reine. Là, c'est le marchand. Ah, je sais plus où c'est, ça.
Ça, c'est le commerçant, donc c'est pas lui. Zut. Alors, j'ai 110. Ça coûte trop cher. Je peux avoir une ceinture. Chance de critique. Ouais, non. Pop, pop, pop. Je peux avoir un pic qui fait un peu de dégâts. Des flèches. Ça vaut 3 par flèche. Des bottes. 315, ouais, non. Un petit peu de sel, peut-être. Je vais acheter un tout petit peu de sel pour pouvoir cuire ma viande. Comme j'ai déjà de la viande, ça me coûtera moins cher d'acheter du sel que d'acheter ça. Par contre, non, mais je sais plus, les gars, comment on... L'ultimatum, là, c'était les prêtres de la ville, là. Je ne sais plus comment on voit ça. Ultimatum des prêtres de la mort. Guerriers, les seigneurs de la ville du temple vous appellent. Alors, on y est à la ville du temple, là. Apportez au temple, dès que possible, 3 grenouilles pour le sacrifice. Ah bah non, il suffisait de l'accepter, en fait. Non, c'est bon. Pfiou, ça va. Salut, The Gamer Belge. Comment ça va, l'ami? Ça y est, je m'en suis serti, là. Pfiou. Alors, ici, qu'est-ce qu'il fallait? Les œufs, je les ai toujours pas. Et du coup, bah, j'ai pas les œufs non plus pour gagner l'omelette. C'est pas grave, on fera ça la prochaine fois. Donc là, il n'y a pas de diplomatie, puisque je suis tout seul, encore une fois, donc dans ma forêt de loup. Mais après, si on est plusieurs, du coup, c'est assez sympa, hein, on peut faire plein de choses. Donc là, c'est ma progression. Donc ça, c'est cool. Et ici, c'est les talents, en fait, qu'on va pouvoir gagner, en fait, en fonction... Vous voyez, en fonction de l'habilité, en fait. Donc pour l'instant, on n'en a pas. Moi, je suis sur la gauche. On a une arène aussi pour faire des combats. Donc la forêt de la Louve. De justesse, hein, ouais, carrément, les gars. Pfiou. Comment ça va, gamer belge? Alors, on va récupérer du coup un petit peu de ressources encore. On en profite, hein. Vous voyez, là, on n'a eu qu'une bûche parce que c'était un petit arbre. Et on récupère un petit peu de gourde, un petit peu de légumes. On va pouvoir se faire notre... notre petite culture. Alors, ça va pas produire énormément, mais bon. Salut, Gangsta! Ouais, c'est la première fois que tu arrives à choper un live. Comme quoi, il y a un début à tout. Donc là, on l'a vu tout à l'heure. Ici, c'était le portail. Parce qu'après, on peut voyager. Bon, là, ça me sert pas. Oh, oh. On va s'attaquer au loup. Donc, on peut pareil avec le bouclier également. Hein. Je vais vous montrer. Vous voyez, je peux pareil. Hein, et taper. Bon, après, les loups sont pas très difficiles. Avant, un loup, c'était mortel. Hein. Ça n'est plus le cas maintenant, mais... C'est pas plus mal, hein, moi je vous le dis. Parce qu'avant, le moindre loup, il était mortel. Alors, donc on va aller se faire la corde qui nous manque. Ici. Alors, on va pouvoir faire évoluer la base. Regardez un peu. Donc, vous voyez ici. On va améliorer, en fait, notre enceinte. Vous allez voir, et comme ça, au niveau 1. On va améliorer sa durabilité. Pour mieux résister aux attaques, hein, de horde qu'on va subir à un moment, hein, de toute façon. Donc là, on avance, vous voyez, on a une petite maison, du coup. Et plus on va la faire progresser, plus elle aura de résistance pour les hordes ennemies, et plus elle sera imposante. Et après, ça va coûter de plus en plus cher, hein, vous voyez. Hein. Comme les tables de craft, en fait, que l'on fait. Donc là, ce qu'il me fallait, c'était de la corde. Après, on va se refaire un peu à manger, mais pour l'instant, on est bien. Hein. On s'en sort très très bien, moi, je vous le dis. Alors, il me fallait de la corde, et pour ça, il me fallait... voilà. J'en ai eu deux. Nickel. Donc, on va aller pouvoir se faire notre première culture pour les légumes. Je ne sais pas si vous connaissiez le jeu, hein, le Gamer et puis Gangsta. C'est un jeu un peu particulier. Hein. C'est Niflheim, un RPG... on va dire, c'est un héros nordique, hein, qui a été jeté là, enfin, qui a été capturé... par des esprits maléfiques alors qu'ils partaient vers le Valhalla.
Alors, donc on va semer bah, ce qu'il nous faut pour des recettes, en fait. C'est un peu l'idée. Donc, en fonction des recettes que l'on a débloquées, on va semer, par exemple, des courgettes ou de la grande courgette rouge ou du navet. On va regarder, on a dit courgette rouge ou courgette à rayures. Donc, on va regarder ce qu'on a comme recette à manger. Et puis, on va semer en fonction. Alors, donc en termes de repas, donc là on peut se cuisiner les deux pièces de viande déjà. Qu'est-ce qu'on a débloqué de beau? Donc ça c'est encore bloqué, il faut qu'on fasse de progresser encore. Courge au miel, donc il nous faut une courge. On va regarder s'il n'y a pas quelque chose. Des œufs, j'en ai pas. On devrait peut-être plutôt capturer un dodo alors. Ce serait peut-être mieux que de planter pour l'instant. Parce qu'on pourrait se faire des omelettes. Une omelette, ça rend 6 de satiété. En même temps, c'est pas énorme. Mais ça coûte que du sel. Parce que là, il n'y a pas grand-chose qui utilise à part de la courge. Mais de la courge, on n'en trouve pas pour l'instant. Des carottes, j'ai pas de graines. Ah, j'hésite. On va quand même se faire de la plantation, mais... Je me dis que le piège à dodo, enfin le dodo, il serait peut-être mieux du coup. Alors, de toute façon, on le fera après. Il nous faut juste de la corde en plus. Hein, on va en retrouver. Il n'y a pas de souci. Hein, de toute façon, on trouve. Alors, tu m'avais dit, hein, il y a encore un champi quelque part. Ah, il était là. Hop, il va là. Donc, ça, faut les garder. Hein, surtout les champis pour les popos. On va planter des courges à rayures. Voilà, c'est bien. Les plantes, on va les garder aussi. Toujours pour l'idée des popos et tout ça. J'en avais pas non plus de celle-là. Après, là, il faudrait que je me pose des coffres hein, pour faire un coffre pour les plantes, un coffre pour tout ça. T'es plus un joueur console? Ah, c'est vrai que ça, c'est pas le type de jeu console, ouais. Bah, tout à l'heure, écoute, j'étais en train de jouer à Xenoverse 2. C'est un jeu que j'aime beaucoup aussi, parce que je suis très fan de l'univers de Dragon Ball. Et je jouais à Xenoverse 2. Hop, donc la bière qui nous redonne aussi des points de santé. Donc là, on est bon. On va aller construire notre petite serre à culture. Ah, bonne nuit à toi, 6h. Désolé, je n'avais pas vu que tu partais, mon ami. On va aller faire notre petite serre à culture. Donc ça va nous permettre de faire pousser alors deux légumes à la fois. Hein. C'est pas grand-chose. Vraiment pas grand chose. Mais en termes de survie, voilà, c'est déjà ça. Donc on a deux emplacements. Donc comme je vous l'ai dit, ici on peut soit poser en fait un élément de culture. Ah, il me refaut 5 planches, pardon. Soit des dodos pour avoir en fait des œufs. Soit les moutons. Les moutons, je sais plus ce qu'ils donnent d'ailleurs. Et là, il me refaut 5 planches. J'avais oublié. On va laisser faire les planches. Ouais, c'est là où c'est sympa d'être deux comme ça, ou deux ou plusieurs. Hein. Comme ça, il y en a un qui peut faire ça, il y en a un qui peut aller dans la mine, il y en a un qui peut, voilà, s'occuper de faire évoluer un peu les interfaces. 1, 2, 3, 4, 5. Du coup, on est charpentier niveau 1. Cool. On a résisté pour l'instant aux premières demandes des dieux. C'était un coup de chance. Donc on va prendre la petite serre à culture là, voilà. Donc on a une petite serre à culture. Et une fois maintenant à l'intérieur. Et donc on va pouvoir poser en fait des cultures hein, pour cultiver des légumes. Placer des semences dans les cases supérieures. Et les légumes apparaîtront dans la case inférieure. Donc on met une semence là et ça apparaît en dessous comme ça. Donc... Après, on pourra faire la même chose. On mettra un dodo et on aura des œufs qui tomberont. C'est un jeu qui est payant, oui, oui, Gangsta. Il fait une 20aine d'euros, je crois. Bon, moi, ça fait très longtemps que je l'ai. Mais c'est un petit jeu encore en alpha, qui est encore en développement depuis 2 ans et demi maintenant, quelque chose comme ça. Il avance petit à petit. Parce que quand moi, j'ai commencé à jouer, il n'y avait pas tout ce contenu-là, il n'y avait pas tout ça. Alors, on va se mettre une graine comme ça. Vous voyez, une graine de courgette et on aura de la courgette qui va pousser
donc bah, là, régulièrement, tranquillement quoi. Et si on veut le faire évoluer au niveau 2, donc il me faut de l'argile, donc faut qu'on aille dans la mine. On va les miner un peu du coup, et après on se fera ici bah, la même chose, mais pour une petite culture à dodo en fait, ici. Et pour ça il me faut, bah, on peut le faire, il me faut 5 planches. On va aller faire les planches. Et les moutons, je ne sais plus ce que ça, ça doit donner de la laine, je crois, les moutons. On va aller se refaire 5 planches et on va faire la petite culture à dodo. Donc il va falloir qu'on capture un dodo du coup. Ça nous donnera des œufs, donc c'est sympa. Hop là. La laine, c'est intéressant pour faire des cordes, pour faire ce genre de choses. Mais bon. Donc là, on va poser ça. Donc si on voulait construire ça, il nous faudrait de la corde, ouais. C'est ça. Une bergerie. Ça aurait pu être sympa aussi. On va faire un petit truc à dodo pour avoir des œufs. Ça nous fera des petites omelettes. Donc là, il va falloir capturer par contre la bête. Donc pour ça, il va nous falloir le piège. Donc le piège, je l'avais pas pris. Je crois si je l'ai là. Donc je sais plus comment il fonctionne. Faut le poser, je crois. Alors on va partir un peu vers la droite. Comme ça, ça va laisser le temps aussi aux ressources de revenir. On va ramasser ça, on va couper un peu de bois. Vous voyez, c'est un gameplay assez lent. Hein. C'est un gameplay comme ça, un peu de survie, tranquille. Moi, c'est ce que j'aime hein, comme jeu. Alors, autant j'aime du Xenoverse 2, hein, voilà, qui est pas du tout pareil. Mais autant des petits gameplays comme ça, lents, ça permet de prendre le temps de jouer tranquillement au final. On va aller s'occuper du loup. Alors on est un peu blessé, mais on ira se soigner après. Ah, j'ai lâché mon arc, je sais pas pourquoi. Voilà, on a récupéré des défenses, c'est cool. L'arc a été enlevé et on va le remettre. Ah, ça c'est une gourde, on va le prendre. On va prendre aussi derrière. L'arbre, ça nous fera des branchages. Faut ramasser hein, comme ça tout ce qu'on peut. Avoir du bois pour faire évoluer sa base. Il faut beaucoup de bois. Et vraiment, ils ont un peu allégé hein, le jeu. Parce qu'avant, on avait aussi des tempêtes quand on était en extérieur. On avait des tempêtes et quand il y avait des grosses tempêtes de neige, notre personnage il avait du mal à avancer. Il était obligé de se protéger avec son bouclier au final. Et puis il n'arrivait plus à se déplacer, il était ralenti et tout. Ça, ça a l'air d'avoir été nerf et puis du coup, ils ont rendu le jeu un peu plus facile. Avant, il était très très hard hein, comme jeu. Alors, on n'a pas retrouvé de dodo. J'aurais bien aimé en capturer un. Pas le tuer pour un coup. On a encore des champis, mais bon. Ah, un loup, ça m'embête. Une peau de loup, j'en ai déjà, là. C'est vraiment un dodo que j'aimerais avoir. Alors, 41. Est-ce que j'ai un truc à manger? Normalement, oui. On avait fait des soupes. Voilà, 57. Hop, on va manger deux soupes. Rome, c'est pas fait en un jour, c'est clair. Ah, des petites gourdes qui ont poussé. Toujours sympa. L'arbre, il vient de pousser aussi. Donc, on va le récupérer. On va rentrer un peu voir si on peut pas améliorer nos ateliers à l'intérieur de notre maison. Ou améliorer la défense extérieure de la base. Là, on a des petits terriers à lapins. Mais c'est pas un lapin que je veux capturer, là, c'est du dodo. Alors je sais pas le temps que ça met à pousser. Là il me faut... Ouais, c'est de l'argile qu'il me faut.
Alors, est-ce qu'on n'aurait pas du dodo dans le coin? Ah, on a encore un loup! On va le taper. Avant, on était obligé de se protéger avec le bouclier. De toute façon, sinon, on n'aurait pas survécu à une attaque de loup. On commence à avoir plus de loups, hein, d'ailleurs, qu'au départ. Bon, ben, on n'aura pas notre dodo, c'est dommage. Je voulais en capturer un là, avant de descendre dans la mine. Oh, non. Alors ça, il faut pas l'attaquer. Un facochère comme ça, ça a beaucoup, beaucoup de points de vie. Tout seul, je vais me faire massacrer. Un petit cochonneau, là, ça va. Ça n'y a pas de souci. Mais un gros cochon, là, un gros facochère sauvage. Oh, un dodo. Ah, est-ce qu'on va pouvoir poser le piège là? Ah, je l'ai ramassé, je crois. Mais pourquoi je vais me le faire ramasser, là? Pourquoi il me... Ah, c'est parce que... Ah oui. C'est la configuration de la touche à la con. Je parie que c'est ça. Ah oui, voilà, ramasser Q. Bah oui. Non. Ah. C'est parce qu'en fait, il utilise la même touche pour me déplacer et ramasser. Alors, j'espère que le dodo, il va venir par ici. C'est pas gagné. Il aurait fallu que je passe derrière et que je la tire, en fait. Ah! En même temps, mon piège, il est peut-être pas bien placé, du coup. J'aurais bien aimé en choper un. Alors pourquoi il n'a pas été capturé? C'est pas un piège pour les dodos? Pourquoi c'est pas un piège pour les dodos? Alors j'en ai tapé un. Alors, c'est pas clair ça. Qu'est-ce que ça dit ça? Bah si, durabilité 1, chance de détecter un piège 25%. Pourtant c'était un piège pour les dodos aussi ça avant, il me semble. Ça serait plus qu'un piège pour les lapins alors. Comment on fait pour attraper les dodos? Ça a pu changer. Comme ça fait bien un an que j'ai pas joué sur le jeu. Oh, le dodo, il vient pas par ici. Voilà, on va le faire partir de l'autre côté. Coui. Ah mais du coup, on va essayer de mettre le piège là, mais je comprends pas pourquoi ça marche plus. Pourtant avant il me semblait que ça marchait directement et ça marchait sur les dodos aussi. Ah voilà. Voilà, on a notre poupoule dodo. Au dodo la poupoule. Donc ça marche encore. Alors maintenant on vient là. Pareil, pour l'améliorer ici, il faut de l'argile et de la corde. Et normalement, on vient mettre la poupoule, qui est vivante, comme ça. Et puis, ça nous fondra des œufs. Alors, ramasser des œufs ou des plumes, voilà. Placer la poule dans la cage supérieure et les œufs et les plumes apparaîtront en bas. Tout simplement. Et avec la petite tête de mort, c'est pour détruire ce qu'on a mis dedans. Voilà, là, on a récupéré une courge, du coup. Et il faut changer régulièrement la graine. Par contre, avec ça, normalement, je peux rien cuisiner. Donc là, c'était pour vous montrer. Après, il faudra faire autre chose. Alors, si je veux faire améliorer ça, il me faut des planches et des coques. Donc
là, il va falloir qu'on aille miner, les amis, pour trouver de l'argile, déjà. Donc, on va ranger un peu dans ce coffre-là. Quel coffre, normalement, plutôt de minage, puisque c'est de là où on sort. On va ranger la corde. On va ranger les cailloux. On prendra ce dont on a besoin, parce que si jamais... Voilà, je préfère finalement venir prendre ce dont on a besoin. Au moment, on a encore à manger. On va manger ça. On peut manger ça aussi. Il va falloir qu'on recuise direct. On va recuire un peu. On va les soigner. Parce qu'on a été pas mal amoché là. Alors, qu'est-ce qu'on peut se cuire? On peut se recuire une viande d'oiseau. On peut pas se faire autre chose avec ça. On peut se faire ça. On n'a plus de carottes. On n'a pas encore deux. On peut se faire un fruit là, à 8. Ça, ça rend 14. C'est pas mal. Ok. Et on va aller dans la mine. En même temps, dans la mine, là, ça devient compliqué parce qu'on a vu qu'on tombait sur... sur une espèce de troll, là. Et bon. On va aller se soigner, ouais. On avait découvert une zone de... Une zone secrète avec un troll. Donc là, on récupère notre vie. 8 jours de survie, quand même, c'est pas mal, hein. Sans être mort une seule fois. Et on a commencé à prendre un peu d'XP. On a notre bouclier qui commence à s'abîmer. Non, on va se recharger complètement en santé, là. Si jamais on se fait matraquer un coup à part le troll, là, on sait jamais. Surtout que j'ai plus mon épée, alors bon. Ici, au niveau de la forge, pour l'instant, j'ai rien, j'ai pas de minerai. Est-ce qu'on peut faire évoluer peut-être l'atelier? Il nous faut 5 planches. Donc, on va faire les planches. Faut que je fasse gaffe, j'ai plus beaucoup de bois. C'est pareil, hein, de faire évoluer à chaque fois, ça nous débloque des crafts. Donc, ça prend le temps. Ici, on a la progression de l'évolution. Voilà, donc visuellement, après on a des éléments en plus qui se rajoutent. Et on gagne en fait des crafts. Donc maintenant, vous voyez, on peut faire des flèches, on peut faire une massue. Et après, on pourra faire des pièges plus gros. On pourra faire un bouclier. Et après, il y a d'autres armes hein, encore plus, plus imposantes. Donc là, j'aimerais bien pouvoir me faire une porte, il me faut des planches. Voilà, comme ça je vais avoir une porte sur moi. Hop. Donc la porte, comme je vous ai dit, ça permet en fait de changer de couche dans la mine. Donc comme dans l'endroit de la mine où je suis arrivé, il y a l'espèce de troll. Si jamais il vient m'embêter, eh ben je poserai une route ailleurs pour plus être embêté. Donc on va réduire un peu ça là, vous voyez. Donc là, je pourrais aller poser par une... Ah, pourquoi j'ai chopé ça encore, là? Je sais pas pourquoi il me prend à chaque fois mon arme, là. Je pourrais, là, si je voulais, aller poser une porte là pour pouvoir descendre là et aller visiter ça. C'est ce qu'on va faire, je pense. Quoique, j'aimerais bien descendre plus bas pour avoir des ressources plus intéressantes. Vous voyez, là, le méga troll, là, ouf. Voilà, quoi. Donc on va... Je pourrais peut-être poser une porte là pour descendre là directement. Là ça me fait aller tout au bout à chaque fois, mais bon. Parce qu'en fait il se déplace pas très vite notre perso, donc... c'est vrai que voyager jusqu'au bout comme ça, c'est pas toujours facile. Parce que déjà le temps de voyager, on perd de la bouffe. Et du temps. Alors, on va faire gaffe quand même parce qu'on pourrait tomber sur une saleté d'araignée ou une connerie. Hein. Il y a des araignées qui se baladent, il y a des squelettes aussi qui peuvent se balader.
évite de trop courir parce que ça nous consomme pas mal de bouffe. Alors, c'est là où on a le troll. Alors, si on va pas l'embêter, il va peut-être pas venir nous embêter. J'espère, en tout cas. Parce que si on doit s'attaquer au troll, je pense qu'on est foutu. Hein. Si jamais il doit sortir de sa cachette... je pense qu'on est foutu. Alors, de l'argile, ça c'est cool. Si on pouvait retrouver un peu de fer, un peu de charbon, ce serait méga, méga cool. Après, il nous faudra de toute façon de la pierre en quantité pour l'enceinte extérieure, pour tout. Alors, qu'est-ce qu'on a là-bas? C'est une porte pour descendre, ok. On va descendre. On a un champi, on va le prendre. Même si pour l'instant, on n'en fait rien. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Hop, hop, hop. Alors, attention. Pour l'instant, ça va. Ils sont pas trop nombreux, ils sont pas trop costauds, ceux-là. Voilà. Bon, vous voyez, ça commence à attaquer là. Normalement, ça, ça nous fait rien. Si, on perd de la vie dans le gaz, ok. J'ai dit une connerie. Je pensais que non, mais si, apparemment. Allez, on va récupérer du charbon. Vous voyez, il va falloir commencer à taper hein, pour avancer dans la mine. Un peu comme dans Stardew Valley, hein, de toute façon, c'est un peu ça. Donc là, cette porte-là va nous permettre de remonter un peu au-dessus. Et là, si on voulait descendre ici, on pourrait. Il suffirait de poser une porte là, et puis hop, on peut descendre, hein, tout simplement. On peut descendre là aussi, on a une porte à droite. Pas mal de choses. On va aller voir d'ailleurs ce qu'on a là. Donc c'est par là que les bestioles étaient sorties. Donc là d'ailleurs je suis descendu là, on va avancer un peu par là avant de descendre plus bas. Parce que là de l'argile j'en aurai, j'aurai aussi du charbon au cas où. On n'a pas encore vu d'araignée. Alors je m'en sors bien encore pour le coup, hein. J'ai été blessé en plus avec le gaz, mais je m'en sors bien. On récupère de l'argile, je sais plus comment il m'a fallu, je crois que c'était 10. J'aimerais bien retrouver un peu de sel. Du sel de roche là. On fait gaffe à la nourriture aussi, on n'est plus qu'à 52, on va manger un morceau. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau encore qu'on avait cuisiné? On n'a plus de pâtes de lapin là? Pourquoi je me retrouve avec ça encore? Je sais pas pourquoi il me sélectionne des objets comme ça. C'est bizarre. Non, j'ai plus de bouffe là. Ah si, j'ai ça. Ouais. Plus 8, on peut le manger aussi. Comme ça, on peut continuer de miner. Ah, du sel, c'est cool. Pardon. Encore de l'argile. On n'est pas encore assez bas, je pense, pour du fer et tout ça. Alors, il y a un trésor, hein, j'irais bien hein, m'attaquer au troll, mais bon. Il est au-dessus, hein, regardez ça. Il est là, le bestio. Hein. Ça rigole pas. Il veut pas nous lâcher son trésor, hein. Pas beaucoup de ressources en dessous, on a pas mal de charbon, on pourrait mettre une porte si on voulait là. Pour
l'instant, on est bon en termes de bouffe, donc il n'y a pas de souci. On aura, j'espère, des œufs plutôt que des plumes pour commencer. Déjà pour remplir la quête, comme ça on aura une omelette gratos. Parce qu'il y a la quête du corbeau toujours qui nous demande un œuf. Je pense qu'on a assez d'argile pour améliorer là. On va remonter du coup, je vais vous montrer comment remonter plus rapidement. Ok, mineur niveau 3, cool. Donc là, on peut aller là-bas pour descendre. Par exemple. Mais si je veux, pour repartir de là, au final, je vais pouvoir aller là et poser une porte. Je vais vous montrer. Alors là, il y a pas mal de charbon. Finalement, je devrais pouvoir poser une porte là. Je peux pas la poser là comme ça. Pourquoi je ne peux pas la poser ? Alors, à moins que ça ait changé, ça. Encore. Ah non, c'est bon, voilà. Fallait juste l'activer. Donc là, je peux monter ou descendre, du coup. Voilà, ça me permet de descendre, comme ça, en posant la porte. Je peux monter ou descendre. Ah, en dessous, on doit avoir du minerai. Donc ça, c'est du charbon, mais en dessous, ça doit être du fer. Vous voyez, plus on descend, plus c'est dur à percer, hein. Vous voyez, il me faut de plus en plus de coups en fait pour percer. Et du coup, on progresse en talent de mineur, mais ma pioche elle est plus assez efficace en fait. Donc là, on va essayer de descendre un peu et de récupérer du fer. Je pense que c'est du fer. Et après, on fera évoluer notre atelier pour pouvoir se fabriquer peut-être une pioche, un pic de meilleure qualité. Là, j'ai assez de charbon, je pense, avec tout ça. Là, on n'a plus rien à gauche, à droite plutôt, pardon. Voilà, on va essayer de descendre là. Alors, on fait gaffe, on peut encore descendre là. Et on commence à descendre là. Ça commence à être un peu profond. Et là, on va choper, vous voyez, des petites zones. Alors, faut faire gaffe. C'est bizarre qu'on n'ait pas d'araignée ou de saleté là. Ah, et là, ça devient dur à miner. Regardez ça, là. C'est ça, c'est bien du fer. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et là, ça devient très très long à miner, comme ça. Du coup, c'est long. Ça consomme plus de bouffe, etc. Et plus on descend, hein, plus c'est comme ça. On a récupéré pas mal de minerais de fer quand même, c'est vraiment chouette. On va encore miner un peu, on a encore de la bouffe, donc voilà, on y va. Hein. De toute façon, de la ressource, il faut vraiment de la ressource, c'est le but. C'est bien, avec le fer, on va peut-être pouvoir de quoi se faire un bout d'armure, un casque, un truc. Ou une armure pour nous. On a des pots, il nous fallait juste du fer, je crois, pour nous faire une armure. Un plastron du chasseur, je crois. On pouvait se faire avec le niveau de l'atelier qu'on avait. Alors là, c'est plus facile à miner parce qu'il n'y a pas de ressources complexes dedans. On va quand même prendre les champis. Il va falloir qu'on remonte. Qu'on puisse garder un peu de nourriture pour aller chasser, récupérer un ou deux dodos, quelque chose qu'on puisse manger, cuisiner. C'est un équilibre comme ça de choses, hein. On ne peut pas foncer sur un ou sur l'autre, parce qu'on ne peut pas avoir beaucoup de bouffe d'avance. On peut tuer des bestioles, mais tant que c'est pas cuisiné, ça donne pas grand chose finalement en termes de ressources, de nourriture, de satiété. Du coup, oh, on a peut-être une araignée en dessous là. On va faire gaffe. Alors là, c'est encore du charbon, je pense. Alors ça va peut-être commencer à devenir presque ingérable à miner ici.
Ah, regardez ça, le nombre de coups qu'il faut. Hein. C'est comme dans Stardew Valley, finalement, on descend comme ça et puis c'est de plus en plus difficile. Là, on peut encore descendre. J'aurais bien aimé trouver un peu de minerai encore. Alors du sel, ça fait toujours plaisir pour cuisiner. De l'argile. On va pouvoir remonter, je pense. 42 cents de bouffe, ouais. Faut pas qu'on se laisse avoir. On va descendre, regarder ce qu'il y a en dessous vite fait quand même. On sait jamais. Ah, s'il y a une bestiole ou quelque chose. On est au niveau 9. Ça commence à être vraiment craignos là. Il n'y a pas de gisement qu'on voie comme ça directement. Hein. Non, on voit pas de gisement à côté. Donc on va trouver des ressources de base. Je m'attendais à trouver un petit peu de fer ou quelque chose. On n'en trouve pas beaucoup hein, du fer. Hein. C'est pas Minecraft, on n'a pas des gros filons. On va remonter à 35 de bouffe. Parce qu'à partir de 20, je suis ralenti. Et du coup, je vais être embêté. Donc pour remonter, on peut se taper bah, finalement à la main tout ça. Tac, 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 les jeux de porte là. Ou on peut en fait venir là et en payant 5 pièces d'or, ça nous ramène au château. Voilà, donc ça me coûte 5 pièces, mais ça me ramène directement ici. Et ça, c'est fun. Alors, donc là, on va récupérer, on va continuer de récupérer des courgettes. On va les manger direct. Hein, parce que finalement, je peux pas les cuisiner pour l'instant. Alors ça me rend que 2 de satiété, hein, c'est pas énorme. Mais ça produit en permanence, donc bon. Donc pour l'améliorer, pardon, j'ai pris la graine, je peux l'améliorer. On va l'améliorer. Comme ça c'est fait. Du coup on peut mettre 2 graines. Alors est-ce qu'on peut mettre 2 graines différentes? C'est une bonne question. On a des courgettes à rayures. J'ai des carottes, mais j'ai pas de graines de carottes, ça c'est embêtant. Graines de courge, semences sèches, courgettes à rayures, c'est déjà ce que j'ai là. Pas de graines de salade non plus, semences de grange couscous, courgettes à rayures, ça. Ouais, non, au final, je peux mettre que 2 graines, mais 2 graines identiques. Et ça va me doubler ma production. En final, c'est ça en fait. Ça double la production de graines. Une graine 5, 2 graines 10. Du coup, je vais doubler la production. Mais ça ne peut faire qu'un seul type en fait de produits. Mais c'est pas grave, je peux les manger comme ça déjà. Et là, ça m'a donné quoi? Ça m'a donné des œufs, ça c'est cool. Il me faut des cordes pour l'améliorer. Donc il va falloir que j'aille chercher tout ça. Et avec des œufs, du coup, je vais pouvoir remplir ma... ma mission, donc là il voulait des œufs, voilà. Et lui il voulait un œuf aussi. Et comme ça j'ai gagné des omelettes. Normalement, c'était ma récompense. Voilà. Exactement. Alors, on va rentrer à la maison. Hop là. Est-ce qu'on peut se cuisiner quelque chose que j'avais pas vu tout à l'heure ou pas? Avec ce que j'ai, il me fera encore mon bâton là. Avec la courge, on peut se faire ça. Ok, pour le reste, on peut pas aller plus loin pour l'instant. Qu'est-ce qu'il me faut pour évoluer? Des planches et de l'argile. Hein, j'en ai que 11 de l'argile, j'en ai pas assez. Voilà, je pensais en avoir trouvé beaucoup plus que ça. Alors, avant de regarder l'atelier, on va aller voir ici au niveau de la forge. Si je peux pas faire quelque chose. Donc, il me faut peau de lapin, j'en ai qu'une. Et il faut que je fasse des lingots. Donc, lingots de fer, il me faut du charbon et du minerai. On va
en faire 4. Ça veut dire que là, il me faut de la laine, je peux pas. Là, il me faut 2 peaux. Ok. Il me faut des peaux de lapin. Alors, il me faut de la laine ou d'autres peaux de lapin pour me faire des armures. Ok. On va les soigner, les amis. Et on va repartir en chasse après. Alors on va voir si on peut améliorer un atelier en bas. Donc là, on va avoir des courges qui vont pousser régulièrement, même si c'est pas terrible. Dès qu'on aura des recettes plus évoluées, on essaiera de choper les graines qui vont bien et de faire pousser les plantes dont on a besoin. Hein. Alors là, il me faut 5 planches et j'ai tout le reste. Ouais. Donc on va faire les 5 planches. J'espère que j'ai encore du bois. Et là, j'ai pas la corde, donc je peux pas. Donc on peut faire les planches. J'ai plus assez. Je peux faire que 3 planches. Donc il va falloir que j'aille chercher du bois avant de faire quoi que ce soit. Ok. Et il me faudra de l'argile pour améliorer la cuisine. Et ici, c'est pour les popos, mais j'en ai pas beaucoup d'usage. Ouais, ça peut attendre aussi. Donc l'objectif, c'est d'aller rechercher... Oh, on a rechopé une... la mission du chasseur. Il faut que je chope 2 peaux de lapin. Et avec 2 peaux de lapin, ça me fera 15 flèches. Alors les peaux de lapin, je me ferai plutôt une armure, je vous le dis. Mais en même temps, les 15 flèches, ce serait sympa. Ça m'éviterait de les crafter. Parce que les flèches, c'est quand même sympa pour chasser les animaux. Ouais, c'est à voir. À voir. En tout cas, les amis, alors on va. Hop. On va revenir. Donc on a save. Hein. Voilà. On va se laisser ici, les amis, pour ce soir. Parce que l'heure est venue pour moi d'aller au dodo. Il est minuit 45. Hein. Donc j'espère finalement que. La petite présentation que je vous ai fait sur ce jeu vous a plu. Alors c'est un gameplay un peu particulier. Malheureusement, c'est un gameplay qu'on ne voit pas beaucoup ailleurs. Assez lent, avec un décor, je dirais, complètement fait à la main, dessiné entièrement à la main dans le personnage, dans le level design, complètement à la main, et c'est franchement joli. Les musiques sont très belles, voilà. Après, c'est du RPG, on progresse petit à petit, on a beaucoup de craft à faire, hein, qu'on débloque en allant. On peut améliorer sa base, on a des hordes qui attaquent, on a des donjons, on va se taper les mobs, on a des la mine hein, que je vous ai bien montré. Vous avez vu, on a des trolls, on a des petites créatures sympatoches. Parce que là, je vous ai montré que les loups hein, que j'ai pu taper facilement. Mais quand on s'attaque à d'autres créatures, c'est pas la même chose. Voilà. Donc on va se laisser ici. On était sur l'épisode 1 finalement de Niflheim. Donc est-ce que je ferai un épisode 2 ? C'est tout à fait possible, parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu, j'aimerais aller un peu plus loin pour voir ce qu'ils ont ajouté finalement. Ah, yo Vergrimmon. Ah, t'arrives à la fin, ouais, il est un petit peu tard là, il va être 1h du matin plutôt, pardon. Et du coup, je m'en vais aller au dodo. C'est pas de bol. Comment vas-tu sinon? Donc je vous disais, je pense que je ferai un épisode 2. Alors peut-être pas 5 épisodes, je pense que 2 épisodes, voire 3, et puis on aura fait un peu le tour, en tout cas, de ce que le jeu peut proposer de base, même si on n'aura pas tué tous les mobs qui existent. Hein. Parce que vous voyez que pour aller taper les 5-6 squelettes du donjon au départ avec le grand mastoc, là, pareil pour le troll, là, tout seul, ça va être un peu compliqué. Voilà. En tout cas, j'espère que la présentation du jeu vous aura intéressé. Vous aura fait découvrir un jeu finalement très sympa qui est traduit en français. Voilà, faut le signaler aussi, hein, c'est une early access, mais elle est traduite en français. La traduction est plutôt bien réalisée. Voilà, il n'y a pas de grosses coquilles. Il y a des petites choses à reprendre en termes de... soit grammatical, soit en termes de traduction qui ne sont pas non plus tout à fait optimales, mais brutes. Pour un early access, avoir une VF de qualité, ça se souligne aussi. Et sinon, moi, ça va nickel, Vargrimmon. Ça va nickel.
En tout cas, les amis, bah, merci d'avoir été là avec moi ce soir. Et moi, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Allez, ciao tout le monde. Je suis désolé, hein, Wargreymon, mais voilà, il est un petit peu tard et je suis fatigué de ma journée. Donc, j'y vais aller au dodo, l'ami. Allez, ciao tout le monde.